Bienvenue à cette session de formation sur la mise en œuvre de la procédure de protection des standards pour la manipulation et la préparation des échantillons de sol pour l'analyse chimique et physique. Avant de commencer la session, je vais faire une courte introduction pour ceux qui ne connaissent pas le réseau GlossoLab. Ensuite, les orateurs d'aujourd'hui feront les présentations et après cela, ils seront à votre disposition pour répondre à vos questions que vous pouvez faire directement pour la voix ou en inscrivant dans le chat. Et je vais partager mon écran. Moment. Visible, pouvez-vous voir mon écran? Est visible? Oui. Oui. Bien, les laboratoires du sol jouent un rôle crucial dans l'élaboration des lignes directrices pour la gestion durable des sols. Et quelles sont les sources de données sur les sols, les soil data? Et ces données doivent être précises, interprétables et comparables entre laboratoires. Et c'est pour ces raisons que l'Alliance mondiale pour les sols a fondé la Réserve mondiale des laboratoires des sols il y a 5 ans. Et GlossoLab. GlossoLab est un réseau qui vise à rassembler les laboratoires d'analyse des sols du monde entier afin d'harmoniser les méthodes et les protocoles d'analyse et de renforcer les capacités analytiques des laboratoires. Le réseau a 3 principaux domaines de travail. Le premier est le contrôle de la qualité, tant interne qu'externe. Par exemple, nous aidons les laboratoires à effectuer les contrôles de qualité, des contrôles internes. Nous les aidons à organiser les exercices intra-laboratoires, les PT, et nous les faisons participer à ce que nous organisons à niveau mondial et régional. Et l'harmonisation des procédures standards est un autre domaine de travail qui consiste non seulement à harmoniser ces protocoles à l'échelle mondiale, mais aussi à aider les laboratoires à les mettre en pratique grâce à des sessions de formation telles que ce que nous organisons aujourd'hui. Ces sessions peuvent également couvrir différents sujets, tels que la sécurité et l'hygiène dans les laboratoires. Et que même, nous organisons des sessions de formation et du matériel d'information sur l'achat, l'utilisation et l'entretien, l'ajustement d'équipements de laboratoire. Nous travaillons également sur la spectroscopie des sols, avec une initiative GlossoLab travaillant uniquement sur ces sujets, qui a été lancée l'année dernière. Et la réseau international d'analyse d'engrais, qui travaille ensemble de GlossoLab, mais uniquement sur les engrais, a également été lancée l'an 2020. Et la réseau s'est beaucoup développée ces dernières années et compte aujourd'hui près de 800 laboratoires dans plus de 150 pays du monde. Et sur la carte, et tous les pays en vert ont au moins des laboratoires enregistrés dans GlossoLab. Et au fin de mieux mettre en œuvre les activités au niveau local, GlossoLab est structuré en réseaux régionaux qui ont leurs propres réunions, plans de travail et présidences. Et nous efforçons également d'aider les laboratoires à mettre en place leurs propres réseaux nationaux. C'est-à-dire que tous les laboratoires opérant dans un même pays sont réunis en réseau pour discuter des problèmes communs et organiser des activités pour résoudre ces problèmes. Les réseaux régionaux sont nommés dans les tableaux ci-dessous à droite. Et nous avons SILNET pour l'Asie, NINALAB pour les Proche-Orient et l'Afrique du Nord, AFILAB et les réseaux de laboratoires opérant dans la région subsaharienne de l'Afrique. GlossoLab regroupe les laboratoires d'Europe et d'Eurasie, ASPAC pour le Pacifique, tandis que l'ATSOLAN
et la réseau régionaux de laboratoires opérant en Amérique latine et dans les Caraïbes. Comme j'ai mentionné, Glossolan organise plusieurs sessions de formation en ligne sur différents sujets et dans différentes langues. Toutes les informations sont disponibles sur la page web, consacrée au renforcement des capacités sur le site web de Glossolan. Et comme vous pouvez constater, avant chaque session, vous trouvez les informations sur les sujets abordés, les intervenants et les liens pour vous inscrire à la session. Une fois que la session a terminé, nous téléchargerons sur la même webpage les présentations qui seront faites et la recording session, l'enregistrement vidéo des sessions. Et cela signifie que vous pouvez revoir la session de formation ultérieurement sur les chaînes YouTube de la FAO, de la FAO. Et vous pouvez voir ici les sessions qui ont été organisées pendant ces périodes. La session aujourd'hui est indiquée en rouge. Et comme vous pouvez le voir, le 15 décembre, il y a une session de formation sur les contrôles internes de qualité en français. Et donc, je vous invite à vous inscrire à cet événement. Et toutes les informations peuvent être trouvées sur la notre webpage de Glossolan. La session d'aujourd'hui portera sur la préparation des échantillons et des sols avant la procédure d'analyse chimique et physique, la préparation des échantillons. Il s'agit manifestement d'une étape cruciale pour obtenir des raisons fiables, car si un échantillon n'est pas correctement préparé, c'est la pénurie analyse et l'influence du résultat final. La procédure est disponible sur le site web de Glossolan et je vais écrire un link à la procédure dans le chat. Enfin, permettez-moi de vous présenter les orateurs d'aujourd'hui. Nous avons le docteur Suge, qui est un chercheur en pédologie au Centre d'études de la recherche de Djibouti, et aussi le vice-président d'AfriLab, qui est le réseau régional des laboratoires des sols d'Afrique pour les pays francophones d'Afrique. Et Monsieur El-Moudi Mustapha Abdourahman, de Niger, est un spécialiste de la conservation des sols au laboratoire des sols, l'eau et des plantes, qui s'appelle la CEVE, de l'Institut national de recherche agronomique du Niger, INRAN. Et il est aussi le vice-président de Glossolan, de la réseau global. Avant de commencer, je tiens à remercier les orateurs d'aujourd'hui, qui sont membres du réseau, comme beaucoup d'entre vous. Ils se sont rendus disponibles pour partager les connaissances et leurs expériences avec des collègues travaillant dans différents laboratoires, différents pays et différentes régions du monde. Je tiens donc à les remercier non seulement pour leur disponibilité, mais aussi parce que ces gestes représentent les mieux les missions du réseau, qui est de connecter les laboratoires et les faire s'entraider pour atteindre un bon niveau, tout et pas seulement quelqu'un. Nous donnons la parole à, je pense, Suge, ou on ne sait pas, et qui je pense, participera à la présentation. Et Mustapha prendra la parole, je pense. Et passez une bonne session. Je serai ici. Et pardonne-moi pour mon niveau de français. Et on va commencer. Donner la parole à Suge. Merci beaucoup, Filippo. Merci pour cette belle présentation enrichissante sur le Glossolan. Je vais donner la parole à Abdourahman Mustapha qui va vous faire présenter le contexte et présenter cette formation de la première page vers la page 6, la page 5, pardon. Puis ensuite, moi, je prendrai la relève. Je présenterai de la page 6 jusqu'à la fin. Mustapha, tu as la parole.
Bonjour, Bonjour. Monsieur Vice-président AfriLab. Bonjour, Monsieur Philippot, coordinateur du Glossolan. Bonjour, chers collègues francophones. Je suis très heureux de me retrouver parmi les francophones pour ce petit échange que je pense sera très, très important pour nous tous. C'est en fait une session d'échange de connaissances. Et là, j'aurais aimé que ce soit une audience beaucoup plus élargie, pas que les spécialistes, mais les techniciens qui régulièrement sont en train de manipuler les sols, les matériels au niveau des laboratoires. Néanmoins, je pense qu'après la formation, les gens auront la possibilité de partager les connaissances jusqu'au dernier des manœuvres qui travaillent dans le laboratoire. Là, je demanderai à Philippot de partager la présentation. Mon appareil est un peu lourd. C'est trop surchargé. C'est lent, en fait. Je ne parviens pas à faire le partage. Bien sûr, OK. moment. Voilà. Merci bien, Filippo. J'espère que c'est la version correcte. C'est bon. Et merci à nos collègues, les Sogo et Joseph Ipponi. J'espère qu'ils comprendront ce que nous allons dire. C'est aussi des francophones. Voilà. Donc ici, c'est la page de garde. On peut aller à la deuxième. Continue, Filippo. La suite. Voilà. L'objectif du mode opératoire des analyses des sols concernant la préparation des sols, c'est en fait aider nous tous à aller vers des sols bien préparés, exempts de toute contamination, que même une fois analyser, qu'on soit sûr que les résultats sortis sont de très bonne qualité. Donc, raison pour laquelle, là, nous avons mentionné des analyses physico-chimiques, bien sûr. À chaque échantillon reçu dans le laboratoire que nous avons l'habitude de recevoir, il y a des travaux spécifiques assignés à ces échantillons, bien sûr. Donc, il est important, dès le début, qu'il y ait une bonne préparation de ces sols, afin que l'on soit assuré que les objectifs auxquels ces échantillons sont assignés soient atteints, même si pas à 100%, mais au moins à 90%. On est sûr de ce que l'on dit à nos clients, n'est-ce pas, à des scientifiques qui viennent vers nous pour la quête de connaissances, à des étudiants qui viennent prendre des connaissances, raison pour laquelle d'ailleurs mode opératoire est standardisé au niveau de Glossoland, au niveau de Glossoland, afin que ça puisse servir à tous les laboratoires membres. Qu'on soit sûr qu'une fois analysé, c'est le même résultat partout. Le suivant, s'il vous plaît. Voilà. Donc, dans la préparation des sols, il y a un rôle assigné à tout un chacun, n'est-ce pas, le responsable du laboratoire et les membres. Donc, c'est deux entités différentes qui reçoivent à chaque niveau, n'est-ce pas, chacune des niveaux reçoit, je dirais, le sol et le manipule selon ce qu'il convient de le faire. Pour le responsable, nous avons assigner les points suivants, à savoir la supervision des procédures et veiller à ce que la manipulation et l'élimination des échantillons se fassent en toute sécurité et s'assurer que les restrictions d'importation des échantillons soient prises en compte. La supervision ne veut pas dire venir se tenir debout sur le technicien
qui est en train de manipuler son sol. Non, il est aussi, on fait allusion au fait que le superviseur, le responsable, est censé promulguer des conseils. Avant la réception des sols, une formation régulière s'impose. On sait que c'est des analyses de routine. Les techniciens sont habitués à les faire, mais ça n'explique pas. Avec les technologies qui avancent, en tant que responsable, vous avez bénéficié de beaucoup de formations. Vous entretenez régulièrement avec ces techniciens, leur permettra d'être à jour, n'est-ce pas? D'être toujours avoir à l'esprit les techniques et ne pas les oublier. Il est bon pour les responsables d'échanger régulièrement avec les techniciens, leur rappeler cela. Et une fois que le sol arrive, peut-être qu'on n'aura pas besoin de venir s'asseoir devant le technicien pour lui dire « voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire ». Et veillez à ce que la manipulation et l'élimination des sanctions s'effacent en toute sécurité. Là, la sécurité, il faut voir deux dimensions. La sécurité de l'individu, la personne qui manipule cet échantillon, et la sécurité de l'échantillon lui-même. Là, quand je dis la sécurité du personnel, sa santé, n'est-ce pas? Oui, tout le monde sait que certains échantillons sont poussiéreux. Faites en sorte que la personne qui manipule ne soit pas n'inhale pas les poussières. Ça peut courir régulièrement, c'est du fait de l'inhalation de ces poussières. Donc, veillez à la sécurité du personnel d'abord. Et la sécurité de l'échantillon, c'est veiller à ce qu'il n'y ait pas de contamination. Lors de manipulation, certaines personnes manipulent plusieurs échantillons à la fois. En touchant l'un, on touche l'autre, ce qui veut dire que facilement, on peut transférer des éléments d'un échantillon à un autre. Les outils utilisés, n'est-ce pas, certains laissent des ions. En tant que chimiste, tout le monde ici peut savoir qu'il y a des cèdres, des legs, de certains ions, des instruments vers les échantillons, faire en sorte que cela ne se passe pas. Par ailleurs, le laboratoire aussi, c'est-à-dire la chambre, on fait en sorte qu'il y ait sa sécurité pour éviter d'abord l'incendie, l'injection, ou c'est pas facilement, on peut consommer des trucs, créer des dommages au laboratoire ou au matériel. Et maintenant, s'assurer que les restrictions d'importation et d'exportation des échantillons, oui, sont prises en compte. Vous savez, une fois préparés et désagrégés, les échantillons prendront d'autres destinations, généralement de la salle de préparation ou salle de tri, comme on dit, à laboratoire de médecine de santé. Le transport se fera vers maintenant les salles d'analyse. Là aussi, il y a des précautions qui s'imposent afin que les échantillons soient transportés en bonne et due forme. Donc, au niveau des membres du laboratoire, je veux dire les techniciens, planifier et organiser toutes les opérations conformes au procédé. Là, donc, on voit que la plus grande charge revient aux responsables, bien sûr. On voit directement ceux qui travaillent une fois au laboratoire, c'est les techniciens, avec leur blouse de travail. Mais le gros revient à vous, responsables, de faire en sorte que ce travail se passe bien. Ils le font très bien, grâce à vous, bien sûr. La suite, Philippe. Ah, excusez, Philippe revient sur la première page, là, il y a un détail. Voilà, j'ai oublié, là, on nous a proposé quelques matériels, une image que je n'ai pas mentionné, en haut à droite, n'est-ce pas? Il y a des techniciens qui sont en train de manipuler, regarder bien les vêtements qu'ils portent. Bien sûr, la femme a ses cheveux attachés derrière. C'est important, il faut le rappeler toujours aux techniciens que tout obstacle à la vision de l'individu peut créer des problèmes inattendus. Donc, il est bien ce qu'elle a fait, elle a attaché ses cheveux, elle évite tout contact avec le sol et toute obstruction de sa vision. Et puis, les deux portent, je pense, des gants. Mais je ne vois pas bien, ils portent des gants, ils portent des chaussures fermées.
Ce qui est illustré légèrement à gauche de l'image, on voit des fioles jaugées avec des lunettes de protection. Voilà. La suite, s'il vous plaît. OK, nous venons aux appareils ou aux outils de travaux, n'est-ce pas? Les équipements utilisés pour la préparation à l'analyse doivent être conformes aux exigences des méthodes d'analyse. Donc, dans chaque document d'analyse, parce que chaque laboratoire en dispose, il y a des exigences qu'il faut respecter. Par exemple, d'une manière générale, dès qu'on entre dans un laboratoire, la première des choses qu'il faut se mettre la tête, c'est comment sont conservés les échantillons une fois préparés avant leur exportation vers les salles d'analyse ou une fois dans les échantillons, les sous-échantillons pris. Maintenant, le restant, qu'en est-il? Vous voyez qu'il y a des étagères à gauche. Là, c'est la meilleure manière d'arranger les sols une fois préparés ou en attente, n'est-ce pas, de la destination des analyses ou en attente de la salle de conservation. Des échangeurs, des étagères bien espacées et on voit les échantillons qui sont bien espacés aussi, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de contact. C'est une bonne disposition ici des échantillons avant leur traitement final. Voilà le matériel pour ce mode opératoire. Bien sûr, on sera directement vers les analyses, la fiole jaugée, le cylindre gravier, l'entonnoir, le gobelet et puis une balance. La balance, surtout ici, est beaucoup plus importante parce que, une fois le sol préparé, on aura besoin de peser la quantité nécessaire pour les analyses, les différentes proportions qui sont nécessaires de prendre. Voilà. Là, entre parenthèses, on parle de traçabilité des échantillons, enregistrement, maintenance, sécurité, etc. C'est d'une manière globale. Chaque échantillon qu'on prépare a sa feuille qui l'accompagne, qui aide à le tracer jusqu'à sa destination finale, son enregistrement dans le registre, la maintenance et sécurité, là, c'est pour les outils et le laboratoire même. Il est important de prendre en considération tous ces aspects parce que ça nous conduit à avoir des échantillons dignes d'être considérés, des échantillons, je ne sais pas, dignes de nous donner des bons résultats, des résultats attendus, fiables, que l'on peut sans crainte donner à notre client ou à notre chercheur qui vient. La suite, Filippo, s'il vous plaît. Voilà, donc nous en venons au fait, l'hygiène et la sécurité. Je commence par les images qui parlent bien et qui est important à ce que tous les responsables du laboratoire maîtrisent et de temps en temps fassent des communications avec les techniciens à titre de rappel. Premièrement, nous commençons par l'habillement même. Je vois que la personne en charge du laboratoire qui est là porte des lunettes de sécurité, les gants, la blouse, des chaussures fermées. À titre de rappel, je dirais que les lunettes sont importantes du fait qu'il y a des gaz, des poids qui, en échappant, peuvent être en contact direct avec les yeux, ce qui est très mauvais, qui peut rendre la personne aveugle ou entraîner d'autres maladies que l'on ne peut pas supporter. Il est bon de porter régulièrement ces lunettes quand on fait les analyses. Les gants, pour ne pas être en contact avec les acides directement, la blouse blanche et les chaussures. Je me souviens, quand j'étais étudiant dans la manipulation, heureusement qu'il y avait les dispositions de sécurité rapidement, ils ont pu me sauver, sinon j'aurais pu avoir une bouche déjà découpée en morceaux. Et merci pour les mesures de sécurité présentes à l'époque. Là, à droite, à l'extrême, vers le haut, c'est des jeux de couleurs que j'apprécie beaucoup. Parce qu'ils ont rangé en haut certaines indications
et à la à l'horizontale, certaines indications, et à la verticale, d'autres. Ce qui veut dire que si vous le croisez, tantôt ça vous donne une couleur verte, tantôt rouge, tantôt jaune. Ce qui est vert est acceptable. Ce qui est rouge est carrément dangereux, orange, peut-être acceptable aussi. Mais il faut comprendre que nous avons les liquides inflammables. Je ne vois pas très bien, Philippot, je ne sais pas, est-ce qu'on peut agrandir parce que... Voilà. Rabaisse un peu, que je puisse lire. OK. Voilà. Donc, nous avons les oxydants à la première ligne, sur la ligne horizontale, les oxydants et les... Quoi? Bon, tout ce qu'il faut comprendre, c'est que les oxydants sont passibles de créer des incendies facilement. On les mixe, ils cèdent de l'oxygène chimiquement, ils cèdent de l'oxygène et créent le feu. Si on ne fait pas attention à ces produits sur lesquels ce qui est affiché là, ils peuvent prendre feu et créer l'incendie dans le laboratoire dans lequel elle naît. Là, vraiment, c'est ennuyant. N'est-ce pas? Là, ce qui est flammable, le corrosif, et puis... health hazard, toxique. Voilà. Là, on prévient sur l'inhalation qui peut aller jusqu'au poumon. Tout ce que l'on craint, pour nous tous qui manipulons les matériels au laboratoire, ce que l'on craint surtout, c'est les dangers à la fin, en fait. Petit à petit, ça crée des problèmes que l'on ne remarque pas, mais vers la fin, beaucoup ont fini avec du cancer. Et là, c'est la mauvaise manipulation. Il faut faire très attention si nous respectons les mesures qu'on a, les étiquettes, et je l'apprécie, elle est très bonne. Donc, ça permet d'éviter de mettre en contact certains matériels qui facilement peuvent s'enflammer et créer des ennuis au niveau de la personne qui travaille. Donc, j'en ai fini avec les images. Merci bien. Philippot, tu peux un peu réduire pour que je puisse lire. OK. Maintenant, les protocoles de sécurité, nous en avons évoqué un peu plus haut. Et tout à l'heure aussi, sur la page, ça parle toujours de sécurité. Maintenant, les procédures d'élimination des déchets. Quand on amène un échantillon des sols, le client l'amène, lui, il est allé faire son échantillonnage sans savoir comment le manipuler. Arrivé à notre niveau, au niveau du laboratoire, c'est là que le client va dire, ce que je veux, par exemple, je veux une analyse sur l'azote, le carbone, le pH, ou bien il peut vous dire carrément c'est les propriétés chimiques qu'il veut, ou bien c'est les propriétés physiques qu'il veut. Donc, dès là, vous allez commencer à travailler votre esprit. Qu'est-ce qu'il faut faire à ces sols? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Premièrement, la présentation nous préconise d'élimination des déchets. Il y a dans chaque échantillon des éléments qui ne sont pas destinés à des analyses, par exemple des morceaux de bois, des morceaux de racines. Nous, on veut le sol uniquement, alors que dans les échantillons qui nous arrivent, des fois, on voit jusqu'à des plastiques. Ils ont amené... Il faut tout faire... pour éliminer ces éléments étrangers. Ne laissez pas. Pour la personne, ça peut ne pas être... Il laisse glisser certaines choses qui sont destinées à l'analyse. L'évaluation du risque, là, c'est faire des comparaisons. Observez les facteurs autour de vous. Ce que je porte comme vêtements, ce que l'échantillon dispose, ce qu'il y a dans le laboratoire, il faut toujours évaluer, voir tout autour de nous. Il y a des personnes qui viennent avec leur montre. D'autres portent même des bacs. Il faut faire très attention. Là, je vois mon ami docteur Sougué qui a déjà un nano. Docteur Sougué, vous avez un nano dans votre doigt.
n'est-ce pas, sur votre doigt. Donc, faites très attention, c'est des trucs qui nous... Oui, oui. C'est ma bague de mariage. Hein. Ça peut créer des problèmes, n'est-ce pas? Voilà, tu as compris. L'anneau sur ton doigt, c'est pas bon pour le laboratoire. Oui, oui, c'est ma bague de mariage. Maintenant, là, nous sommes au bureau, je comprends. Voilà. Donc, la manipulation, c'est bien alors. OK. Donc, et installation des dispositifs. Vérification des échantillons une fois reçus au laboratoire, n'est-ce pas? Et l'installation des dispositifs, comment gérer son matériel? On est sûr que les matériaux qu'on place des endroits, à chaque fois qu'on décide de prendre une fiole jugée, on sait là où elle se trouve, n'est-ce pas? Un cylindre, on sait là où se trouve une pipette. C'est ça la disposition. Par rapport aux emplacements de chaque matériau, l'appareil se trouve à l'endroit où on ne t'entend pas bien, hein, Mustapha. On pense le trouver. Donc, il faut d'abord commencer à travailler. Pardon? Je pense que ça coupe. Ça coupe, oui, oui. Est-ce que tu peux peut-être fermer ta caméra? On aura peut-être... En fait, ça coupe. Hein. Bon, oui, OK. Oui. OK. Vous me recevez maintenant? C'est bon? Oui. Vous me recevez? Oui. OK. Très bien? Oui, oui. Bon, d'accord. J'ai dit sur la manipulation de... Non, le son n'est pas bon, hein, Mustapha. Les échantillons. Docteur Sougué en parlait dans la. Monsieur Ouillier. Mustapha, vous m'entendez? Non, on t'entend pas bien. Hein. Belgique. C'est ça, Filippo, hein, on n'entend pas bien. Hein. Non, ce n'est pas. Mais... Je crois que ça coupe. Pouvez-vous continuer? Oui, oui, moi, je vais essayer de continuer. Okay. Mustapha, peut-être ce que tu voulais dire, tu peux peut-être écrire sur le chat, ça serait peut-être plus facile. Moi, je vais continuer par la page 6. Filippo, tu peux passer à la page 6. Oui. Donc, vous m'entendez, hein? Merci à mon collègue Mustapha. Vous m'entendez, Filippo? Oui, oui, oui. Oui, oui. Donc, merci à mon collègue Mustapha d'avoir présenté la première partie de cette présentation. Donc, on en vient à la partie procédure. Je tiens à rappeler que le laboratoire... Oui, je vous entends. C'est bon? Oui, oui. Mustapha. Oui, docteur Sougué, tu m'entends? Oui, ça coupe. Donc, on disait, je vais essayer de poursuivre. Et Oui, donc, c'est bon. Il faut continuer. D'accord, merci Mustapha, bon. merci pour cette belle introduction de cette formation. Donc, on en vient à la partie procédure. Je disais que le laboratoire n'intervient pas en général pour conditionner les échantillons sur le terrain. Donc, la première opération consistant donc à préparer les échantillons en vue de l'analyse. Donc, cette opération elle est primordiale pour la représentativité des résultats analytiques et induit des risques d'erreur, souvent liés à l'hétérogénéité des matériaux ou souvent à l'apport des contaminants par la chaîne de préparation. Donc, à la page 6, nous nous trouvons à l'aspect réception et enregistrement. Donc, la réception et la préparation, l'enregistrement représentent au fait le premier maillot de l'assurance qualité. Donc, le laboratoire considère les échantillons en sa possession comme représentatifs du terrain d'étude et établit ses protocoles de préparation et de conditionnement. Donc, la réception des échantillons, c'est une étape clé. Elle doit être effectuée par le contact principal du laboratoire qui enregistre à l'aide d'un formulaire d'enregistrement
d'échantillons appropriés, comme l'exemple que vous voyez sur la slide, en format papier ou ça peut être sous forme électronique. Donc, les informations que ce fichier doit contenir, nous pouvons citer l'identification de l'échantillon du client, les processus de préparation et d'analyse requis, le nombre et le type des sous-échantillons nécessaires. Donc, ça doit contenir une liste d'échantillons avec l'identification du client et ceci doit être soumis au laboratoire avec toutes les métadonnées de terrain pertinentes. Donc, dans l'ensemble, le travail doit être signé par par un responsable de la gestion du laboratoire et un identifiant, c'est important, un identifiant du laboratoire doit être appliqué pour la traçabilité. Cet identifiant, doit être unique. Donc, c'est-à-dire le même identifiant tout au long du process. Donc, les échantillons reçus et les identifiants étiquetés doivent être comparés à la liste d'échantillons soumises afin de vérifier toute absence d'anomalie. Donc, si tel est le cas, donc, le client doit être informé immédiatement au cas d'anomalie et le problème doit être résolu avant de poursuivre. Donc, tout au long du processus ou du parcours analytique, tout écart par rapport à la préparation requise et les numéros d'identification unique de l'équipement utilisé doivent être enregistrés en cas d'anomalie ultérieure et pour assurer donc la traçabilité. La page 7, s'il vous plaît, Filippo. Donc, cette page, c'est l'aspect aussi important qui est description de l'échantillon. Qu'est-ce que ça veut dire? Je m'explique. Les sols enregistrés pour l'analyse sont décrits tels qu'ils sont reçus avant toute préparation de l'échantillon, y compris le séchage. Donc, si nécessaire, la couleur de l'échantillon est évaluée à l'aide d'un code de couleur Menzel, donc comme vous voyez sur l'image, et une couleur générique aussi est attribuée. La texture du sol est évaluée à l'aide de la principale composante texturale par comparaison avec un ensemble de sols et de textures connues désignées à cette fin. Les descriptions de l'humidité et de la taille de l'échantillon sont aussi enregistrées uniquement à l'attention du laboratoire et ne sont pas communiquées au client. Donc, l'étape de la description de l'échantillon. La page 8, s'il vous plaît, Filippo. Donc, on vient ici à un certain nombre d'étapes qu'il faut respecter soigneusement. Donc, je vais tenter de décrire chaque étape. Donc, nous sommes à l'étape du séchage initial. Donc, je disais que les échantillons doivent être traités tels qu'ils sont reçus, sauf si la préparation ne peut être effectuée que sur du matériel séché ou si un régime de séchage particulier est spécifiquement demandé par le client ou le responsable du laboratoire. Donc, au fait, le séchage à l'air libre peut être effectué. Donc, le séchage à l'air libre à une température légèrement supérieure à la température ambiante est préférable. Donc, nous avons 2019 à Rome, le consensus était à ce que le séchage soit entre 35 plus ou moins 5 degrés, donc ce qui permet de couvrir une large gamme de climat, dans une zone ventilée ou une étuve, à condition que le risque de contamination externe ou de contamination, on va dire, croisée des échantillons puisse être évité. Donc, le processus de séchage peut être facilité, soit par la fragmentation, les agrégations de tout gros agrégat de sol. Donc, ça permet d'écraser un peu pour laisser qu'il y ait une évaporation plus facile. Et par l'étalement du sol sur des feuilles ou des plateaux peu profonds quand il s'agit de séchage à l'air libre. Donc, l'étape 2, c'est le broyage. C'est quoi le broyage? Donc, le broyage de l'échantillon doit être effectué dans un espace bien ventilé afin de réduire la transmission de la poussière. Donc, l'échantillon de sol devra être broyé soit mécaniquement à l'aide d'une machine, soit avec un mortier, comme vous voyez sur l'image, et un pilon. Idéalement, en utilisant un équipement non métallique, donc il faut que le pilon et le mortier soient en agate et non en métal, pour minimiser donc la contamination de l'échantillon. Je voulais aussi rajouter que le sol désagrégué doit être passé à travers un tamis, donc en acier inoxydable, ou en nylon de 2 mm en vue de débarrasser des débris tels que les plantes ou les pierres.
Donc, cette étape d'homogénéisation du sol n'est pas forcément nécessaire, parce qu'elle n'est pas dans le SOP. Mais je pense qu'elle est une étape qui est aussi importante, parce qu'après préparation des sols et réduction, broyage à 2 mm, il faut mélanger maintenant les fractions obtenues pour former une population, entre guillemets, de terre fine, aussi homogène que possible. Donc, la répétabilité des analyses et la représentativité des échantillons seront améliorées. Page 9, s'il vous plaît, Filippo. Donc, nous sommes à l'étape du fractionnement. La page 9. Le fractionnement, au fait, comment il se fait? Page 9, Filippo. Oui, merci. Donc, le fractionnement, il peut s'effectuer en partie unitaire, donc il faut séparer, soit de manière, je dirais, à l'aide d'un diviseur à rifle ou des cônes, par la méthode des cônes et de quarts, ou soit d'une façon assez, un sous-échantillonnement aléatoire. Donc, le fractionnement en partie unitaire doit être effectué de manière à être représentatif, tout en réduisant la variation entre les sous-échantillons. Voilà. Donc, c'est une étape clé. Nous revenons donc à l'étape de l'emballage et de l'étiquetage. Donc, l'utilisation d'un matériau d'emballage inerte, approprié et suffisamment solide et nécessaire. Qu'il s'agisse d'un sac ou d'une bouteille en plastique ou d'un sac en plastique pour le stockage ou le transfert des échantillons en vue de maintenir l'intégrité de l'échantillon, c'est-à-dire de le protéger contre l'humidité, les parasites, les déversements, donc les pertes ou la contamination. Donc voilà, toutes ces étapes doivent être respectées soigneusement, méticuleusement, en vue de réussir notre étape de préparation. Donc merci beaucoup, merci de votre attention. On laisse à la place maintenant aux questions. Merci. Beaucoup, Mustapha, merci beaucoup, Sougué. Et je vais écrire dans le chat le lien de la procédure que vous avez présentée. Et je mets tous les participants à écrire vos questions dans le chat ou aussi lever les mains et vous pouvez ouvrir les microphones et poser votre question directe à Sougué ou Mustapha. S'il n'y a pas de questions, ça veut dire que ça a été clair. Hein. Et on a. Nous avons une question d'un participant. Je ne sais pas le nom, parce que c'est Galaxy, mais vous pouvez ouvrir le microphone pour poser vos questions. Et Galaxy A20S, est-ce que vous pouvez vous présenter et poser votre question? Merci. Okay, bonjour, cher Esper. C'est Moussa Tadi Diallo, je suis le représentant de la République de Guinée. Je suis laborantin au Service national des sols, communément appelé Sénachol. Allô, vous me recevez? Oui, oui, on vous entend très bien. Okay. D'accord. Pendant la présentation, le premier intervenant avait évoqué quelque chose dont je n'ai pas bien compris, c'est-à-dire les résidus qu'il ne faut pas analyser. C'est-à-dire nous avons besoin pour la préparation des échantillons, après avoir préparé des échantillons, pendant les analyses, nous n'avons besoin que de choses, du sol pour des fins d'analyse. Mais est-ce qu'il y a aussi des radis ciel qui peuvent passer à la maille des tamis? Est-ce qu'on peut aussi éliminer ces radicelles ou bien on peut aussi les triturer parce que ces radicelles-là aussi peuvent se décomposer et libérer les éléments nutritifs?
Je pense qu'on l'a perdu, hein, Philippot. Allô, vous me recevez? Oui, notre collègue de la Guinée a été coupé. Hein. Je pense qu'il a un petit souci avec la connexion. Peut-être que vous pouvez écrire dans le chat la question. Il y a des problèmes de connexion. Oui. Je vous invite également à partager, votre question et vos mais aussi votre expérience personnelle dans ce domaine, la préparation des échantillons. Notamment les principaux problèmes que vous avez confrontés. Je vois qu'il y a des participants d'Afrique, du Proche-Orient, del Pacifique, et d'Europe aussi, et je pense que c'est aussi que vous pouvez partager vos expériences parce que vous pensez que tenez différentes différents problèmes et différentes expériences par la préparation des champignons. Je pense qu'il y a une question, Philippot, de Melki. Elle a dit, je vous remercie, Dalel Melki, ingénieur chimiste, responsable des labos au Centre technique de l'agriculture biologique en Tunisie. J'aimerais savoir les conditions convenables pour les stockages des échantillons sol. Pourrait faire les essais d'analyse en cas de réclamation ou bien vérification. Et merci beaucoup. C'est vraiment une très bonne question de Melki. En fait, comme ce qui a été dit dans le SOP, normalement, les conditions… Quelqu'un qui peut couper son micro, s'il vous plaît. Donc, les conditions idéales, c'est-à-dire c'est entre 35, plus ou moins 5 degrés. Donc, il faut que l'endroit soit propre. Donc, bien hermétiquement fermé pour les stocker. Vous pouvez faire des étagères. Hein, je peux effectivement envoyer les photos. Les conserver, étiqueter chaque étagère, mettre un numéro. Les conserver, il faut pas que les voilà, il faut éviter la contamination par d'autres types de sol, la poussière. Il faut pas non plus que ça soit à trop température très élevée ou très très basse pour éviter l'humidité. Donc voilà, les conditions idéales, c'est ça. Et aussi, il faut pas conserver plusieurs années les mêmes échantillons. Il faut garder 3 mois, je crois que c'est la limite. Pour conserver les échantillons de sol, 3 mois. Je crois que c'est le maximum qu'il faut garder l'échantillon en vue d'une réanalyse ou d'une s'il y a une quelconque discussion à refaire ou des analyses à refaire. Donc, il faut garder à peu près 3 mois. Sur un an, voilà, c'est déjà pas mal. Voilà. Merci, Melki. Mustapha, je crois que tu as un commentaire à faire. Merci, Cheikh. La première question que le collègue a posée, je l'ai bien comprise, il n'a pas besoin de l'écrire. Hein. Là où il disait qu'il n'a pas compris, c'est le fait qu'on ait dit de retirer les déchets. Retirer les déchets. Voilà, il disait que des fois, ils font des analyses des parties des plantes. Bien sûr, les laboratoires de sol font des analyses de plantes, bien sûr, c'est permis. Maintenant, nous avons dit que quand on veut analyser un sol, c'est le sol à l'état naturel que l'on veut. Raison pour laquelle les pédologues, une fois sur le terrain même, ils évitent d'échantillonner les sols sous des arbres. Pourquoi? Pour ne pas être en contact avec les racines. Tout ce qui est différent du sol naturel, il faut l'éviter parce qu'on veut l'état de fertilité d'un sol spécifique. Vous me recevez? Oui, oui, on t'entend très bien. Voilà. Donc, si toutefois les collègues m'entendent, s'ils m'entendent, qu'ils comprennent que dans mon intervention, c'est que j'ai dit, c'est retirer tout ce qui est impureté, tout ce qui n'est pas sol. Et la raison pourquoi? Parce que s'il y a un morceau de racine, par exemple, dans le sol, vous le broyez et que ça passe par les mailles. Maintenant, vous allez mettre de l'eau, il y aura une solution. À part la solution du sol, il y aura aussi cette racine qui va fournir sa contribution. Si vous analysez le carbone dans le sol, vous aurez un surplus de carbone qui est venu de la racine.
Ce qui veut dire que le sol n'est pas évalué, mais plutôt la composante de l'endroit. Je ne sais pas si je me suis fait clair. On veut le sol uniquement sans autre chose. Maintenant, admettons qu'il y a peut-être un bout de papier qui s'est glissé. Le papier qui connaît sa composition, c'est quel type de papier qui s'est glissé? On ne sait pas. On le broie, on l'analyse, l'azote sera affecté, le carbone sera affecté, le phosphore sera affecté. Donc, raison pour laquelle il faut qu'il y ait tout simplement le sol, rien que le sol. Il y a des mesures de marge de sécurité, comme on le dit, là, dans le commentaire, on l'informe. Donc, j'espère qu'il m'a compris. Maintenant, pour les collègues qui sont connectés dans les autres laboratoires, on est tous connaisseurs de certaines pratiques. Donc, là, j'encourage tous les collègues qui sont connectés ici d'apporter leur contribution afin que l'on puisse avoir une vue plus généralisée de ce dont nous sommes en train de faire la discussion aujourd'hui. Comme Philippot l'a dit, il y a les Proche-Orient, il y a tout le monde. Donc, veuillez partager avec nous votre expérience. C'est une possibilité ici d'apprendre entre nous. Merci beaucoup. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à son intervention. Il y a Kadria Led de l'Algérie qui a posé une question qui demande est-ce possible de programmer une session sur les interprétations des analyses de sol? Je pense que c'est vraiment une très bonne question. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais effectivement, oui. Nous allons transmettre cette information aux autres collègues et effectivement prévoir une session sur les interprétations des analyses de sol. Merci, Kadria. Oui, Abdourahmane, tu avais une question aussi. On voit le pouce levé de Abdourahmane. J'ai dit bonne suggestion de Kadia. Oui, oui. Est-ce que vous avez d'autres questions, chers collègues? Maintenant, je voulais dire que nous vous enverrons les certificats d'attendance à ce webinaire. Et nous avons pris du retard dans l'envoi de ces documents, mais nous ferons notre mieux pour vous les faire parvenir dès que possible. Merci beaucoup. Ah, et nous avons une question de Belgique. Oui, bonjour, Becker Stéphane, je suis technicien au laboratoire de physique et mécanique des sols. Et vous m'entendez? Pas de souci. Oui, on vous entend très bien. Donc voilà, nous, notre manière de faire des échantillons n'est pas tout à fait pareille par rapport à ce que vous avez expliqué, puisqu'on fait des échantillons en structure conservée, donc avec des anneaux de Köpke. Donc, je voulais savoir par rapport aussi s'il y avait une standardisation par rapport à ces prélèvements un peu différents par rapport à ce que vous avez présenté. D'accord. C'est vraiment une très bonne question. Et la question de prélèvement, donc vous parlez in situ sur le terrain, c'est ça, hein? Oui, en fait, on va sur le terrain, on prend un anneau, on l'enfonce en structure conservée, on le ramène au labo. Là, on a une méthode comme quoi on vient araser au laboratoire pour qu'il soit vraiment à volume. Et alors là, c'est principalement la même méthode pour différentes analyses qu'on fait, comme la détermination de la courbe de rétention en eau, pour la conductivité hydraulique. Nous, cette manière-là, on l'utilise tout le temps, quoi. C'est la structure conservée. Donc, je voulais savoir, parce que voilà, il y a une standardisation par rapport à la technique chimique, enfin plus chimie, mais pour la préparation des échantillons comme je vous présente, on n'a pas vraiment une standardisation par rapport à ça. C'est vraiment une très bonne question. Et c'est pareil, hein, d'ailleurs, la méthode que vous parlez, on l'utilise aussi pour la densité apparente du sol. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. C'est pareil. En fait, là, aujourd'hui, c'était plutôt, une fois qu'on est arrivé au laboratoire, comment... En fait, on n'a pas parlé de l'aspect terrain.
L'aspect terrain, je crois qu'il y a un autre SOP qui se prépare. Et vous avez raison, il faut aussi penser à standardiser cette étape du terrain in situ. Je pense que Mustapha aussi voudrait réagir par rapport à votre question. Oui, Mustapha. Ok, merci Cheikh. Merci bien, monsieur Dujamblou. Oui, la méthode conservée de prélèvement, en fait, concerne généralement la physique du sol, parce que ça, c'est un lien avec les propriétés physiques. Là, on ne veut pas perturber les sols du terrain vers le laboratoire. Et Cheikh l'a déjà souligné, aujourd'hui, notre phase, c'est déjà dans le laboratoire. Mais une fois sur le terrain, c'est un esprit dont il faut aussi parler. L'échantillonnement diffère, le mode d'échantillonner diffère. Bien sûr, il y a le composite, n'est-ce pas? Il y a l'aléatoire, voilà. Et donc, tout mode qu'on fait d'échantillonnage, maintenant, c'est le traitement au labo qui nous permet d'aller vers la physique ou la chimie du sol. Pour la physique du sol, il ne faut pas du tout perturber le sol une fois ramené au laboratoire. Tout à fait. Vous comprenez? Maintenant, pour la chimie, là, vous pouvez broyer, tamiser, avoir une fine particule avant d'engager vos analyses. La méthode d'échantillonnage n'est pas du tout différente. C'est un truc universel, puisque tous les documents qui en parlent, il n'y a aucun document qui parle de différence dans comment échantillonner les sols. Seulement, il faut éviter de contaminer vos sols depuis le terrain jusqu'au laboratoire. Moi, je pense que c'est ça. Mais est-ce qu'il y avait un SOP sur l'échantillonnage sur le terrain, Filippo? Est-ce qu'il y a un SOP sur le travail sur le terrain, l'échantillonnage? Je pense que s'il n'y a pas, il faut prévoir un... Non, on ne l'a pas encore fait. On ne l'a pas fait SOP sur l'échantillonnage sur le terrain. Ce n'est pas fait encore. On ne l'a pas fait. Le Glossola n'a pas encore écrit un SOP sur l'échantillonnage du sol. Ça fait pas longtemps qu'on a démarré cette activité. Mais là, il faut suggérer. Merci. We need maybe to have a standard operation procedure for the field work. You know how we can collect soil and... Oui, pour la collection d'échantillons, et nous avons l'Alliance mondiale pour le sol à proposer, parce que c'est un argument qui intéresse le Solan, le laboratoire, et aussi la personne qui va faire les maps des sols, les farmers aussi. Et donc, l'idée de l'Alliance mondiale des sols est que nous avons à préparer un document comme une procédure de standard avec l'expert de Glossolalp et avec l'expert de Glossolalp aussi avec les experts de l'autre pilier d'action de l'Alliance. Va se servir avec les experts de MAPER, les experts de l'autre programme, par exemple le programme de docteur de sol. Et on y va à travailler sur une publication, sur une procédure, sur un SOP de ce domaine en 2022. Et oui, parce que comme le collègue de Belgique a dit, c'est pour le laboratoire, c'est très important d'avoir un document qui explique comment collectionner l'échantillon, parce que nous avons une différence pour la book density, la différence, et c'est différent de les contaminants, par exemple. Et donc, on y va avec ces documents. Et le problème est que maintenant, la discussion de ces documents, beaucoup de laboratoires a dit que
l'eau est la procédure qui va tenir avant les laboratoires, à l'extérieur de la laboratoire, ne sont pas travail de les laboratoires, du personnel des laboratoires. Mais parce que les personnels de laboratoire sont chimistes, comme expérience de chimistes, mais non scientifiques de sol ou recherche d'experts de sol. Ça va sans dire. Let me explain this in English, so then you can translate. Yeah, yeah. We talk many times about this. The problem is that many experts, many members of Grossman are not really soil scientists, but just chemists. So, but we need this document because, of course, we need the soil samples to be collected in a good way, in an adequate way to perform the analysis. And so the decision of the GSP was to develop this document, take into account all the requests from those who make them up, from the labs, from the experts of pollution, the experts who work with farmers, so we can provide guidelines on how to collect soil samples for different applications. This means, do we have to collect samples to make them up, or do we have to collect samples to target the pollutants, to target bulk density, to target a different analysis? Do you need just a basic analysis because you just want to, a farmer just want to know what's beneath his feet, his plant, or do you want to have a different analysis? So we're going to provide different guidelines in this document, and we will work on this in 2022 with experts from different pillars of action of GSP. Okay. You can translate it. Sorry. Merci Filippo. Donc Filippo disait que normalement, enfin tous les personnes qui travaillent dans les laboratoires ne sont pas tous des physiciens du sol. Il y en a qui travaillent sur la chimie, donc des chimistes du sol. Et donc l'idée, c'est que avec les discussions qui ont eu lieu avec le GSP, c'est de pouvoir prendre en compte les avis de toutes les parties prenantes, y compris les fermiers, et finalement établir un document qui prend en compte le travail du terrain, comment on établit la densité apparente, comment on fait la pollution des sols, etc. Donc, établir tout un document qui traite de toutes les spécificités d'échantillonnage sur les sols. Donc, en gros, c'est ce que Filippo voulait dire. Merci. Donc, Stéphane a une question. Stéphane de Belgique. Je venais de la poser, en fait. C'est moi qui posais la question tantôt. Oui, oui. Donc, non, j'ai plus de questions. Non, parce qu'en fait, il y a la main. Ah, qui la est main est restée, pardon. Oui, oui, vous avez oublié de. Voilà. Sorry. Merci. Nous avons une question de Marie. Marie-Paul qui dit que comment nettoyer les pilons et mortiers entre le broyage de deux échantillons, l'utilisation d'alcool est-il obligatoire? Merci. Non, pour le pilon et mortier, on n'a pas besoin de nettoyer. En fait, s'il s'agit des mêmes analyses, des sous-échantillons de même analyse, si par exemple vous faites la granulométrie, vous n'avez pas besoin, mais qu'il ne s'agit pas du même traitement, vous pouvez juste prendre un Kleenex, enlever les restes du sol, nettoyer, vous n'avez pas besoin de mettre de l'eau, peut-être un peu d'eau distillée, nettoyer avec et continuer à préparer. S'il s'agit du même traitement, mais s'il s'agit d'une autre manip différente, effectivement, il faut lever il faut laver le pilon et les mortiers, le nettoyer, le mettre à l'étuve parfois, laisser 40 degrés quelques heures et l'enlever, ou soit le laisser à l'air libre, le sécher. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à la question de Marie-Paul. Je pense que Jean Aubin, vous avez la parole. Oui, bonjour à tous et merci pour cette présentation. Vraiment, c'était intéressant, mais j'espérais que la présentation irait jusqu'à la pesée de l'échantillon.
Parce que souvent, on constate qu'après tamisage, il peut s'avérer que les particules ne soient pas si homogènes que ça dans notre échantillon. Supposons que l'on ait mis l'échantillon dans un sachet et qu'on veut faire un prélèvement, ben, est-ce qu'on est certain que c'est suffisamment homogène pour pouvoir faire un prélèvement qui tiendrait compte de la granulométrie et donc de la composition, de la composition moyenne de l'échantillon? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est une bonne question. Moustapha, tu souhaitais répondre à la question de Jo Aubin? Il disait quoi? Je n'ai pas bien capté quand même. En fait, Jo Aubin, il parle de l'homogénéisation. Donc, il dit que parfois, il peut y avoir des problèmes liés à l'homogénéisation des échantillons. C'est vraiment une très bonne question. En fait, Jo Aubin, c'est comme on avait dit dans la présentation, je crois qu'après le séchage, le broyage, il faut maintenant penser à mélanger les échantillons. Donc, je crois que si on respecte cette étape d'homogénéisation, je crois que le risque de problèmes liés à l'homogénéisation devient extrêmement faible. Donc, il faut juste essayer de mélanger les échantillons pour éviter. Et vous avez parlé aussi de l'étape de la pesée. Je crois que l'étape de la pesée, on n'y est pas parce qu'en fait, dans les SOP, c'est qu'on parle jusqu'au stockage. Après, une fois qu'on a stocké, maintenant, c'est à vous, en fonction de l'analyse que vous souhaitez, prélever la quantité qu'il vous faut pour faire la granulométrie, le pH, etc. Donc, merci pour cette question intéressante. Check. Pardon, oui. Il voulait faire le lien entre l'homogénéisation et le pesé, je n'ai pas compris. Ben, il va reprendre la parole parce qu'il vient de lever la main. Voilà. Veuillez reprendre, monsieur, s'il vous plaît. Désolé, je n'ai pas désactivé. Bon, j'en profite effectivement. Non, en fait, je disais, j'ai cru comprendre que ce n'était pas la partie homogénéisation était optionnelle. Sauf si j'ai mal compris. Hein. Qu'après le tamisage, on pouvait conserver sans passer par l'homogénéisation. C'est pourquoi j'ai posé la question, est-ce que justement, quand on a fini la pesée, qu'on conserve l'échantillon, ben, quand on va faire une pesée pour une analyse donnée, est-ce qu'il n'y a pas de risque de ne pas avoir justement un échantillon représentatif de l'échantillon global, voilà. Non, vous avez effectivement raison. En fait, c'était optionnel parce que ça n'a pas été mis dans les SOP. Donc ça, c'est une discussion qu'on aura plus tard avec les autres experts. Mais effectivement, c'est une étape à ne pas sauter. L'homogénéisation, c'est une étape qui est cruciale pour permettre une certaine représentativité et pour éviter qu'il y ait des variations entre vos échantillons. Je crois qu'il faut effectivement passer par cette étape d'homogénéisation. Merci, Aubin. Merci. Et si je peux, maintenant que nous attendons d'autres questions, et je vous invite à participer à la prochaine session sur les contrôles de qualité inter, qui se tiendra en français le 15 décembre. Avec les commémorateurs, les collègues de l'IRD de France et du Sénégal, Mr. Christian Hartmann et Monsieur Christian Hartmann et Madame Patricia Moulin. Et l'information est disponible à la link que j'ai pour dans le chat. Et aussi, la présentation d'aujourd'hui est déjà disponible à la link que j'ai écrit dans le chat. Il y a d'autres questions? Ah, so good. Moustapha, j'ai reçu une question privée
contenant les matériels avec les stockés, les échantillons de sol. Et il demanda dans quel cas le verre est meilleur que le plastique. Vous pouvez juste envoyer la question, Filippo, sur le chat pour qu'on puisse lire. La chat privée. La question est dans quel cas le verre est meilleur que le plastique pour le stocker de l'échantillon. Non, mais tout dépend de la durée du stockage. Donc, ça peut être en plastique, comme ça peut être en verre. Sauf que le verre, si c'est mis dans un bécher, ça doit être bien couvert, mais dans des sachets, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus commode de stocker dans des sachets avec le code étiqueté pour une période, on dirait, inférieure à 3 mois. Vous pouvez les stocker. Mais si c'est dans du verre, il y a un risque de... à ce que l'humidité du sol soit atteint et que voilà, une vie puisse se développer dans le verre. Donc tout dépend de comment on ferme, comment tout est et la durée du stockage et ce qu'on veut en faire. Donc il n'y a pas de verre qui soit meilleur que le plastique ou le plastique qui soit meilleur que le verre. Donc tout dépend de la durée du stockage, de l'utilisation qui en est fait et comment le verre, s'il est utilisé, si c'est du bouteille. Une bouteille en verre, comment elle est fermée, etc. J'espère avoir répondu à la question. Merci. Peut-être pourriez-vous également ajouter la durée de conservation de l'échantillon. Nous parlons des mois ou des années? Oui, c'est une bonne question. On parle de 3 mois. Généralement pour la conservation. Au-delà de 3 mois, je crois que ça, c'est une discussion qu'on doit avoir avec les experts pour que ça soit harmonisé et qu'on puisse aussi rajouter dans le SOP. Quelle est la durée de stockage des échantillons de sol? Comment elles doivent être stockées? Quand? Où? Donc, toutes ces questions doivent être rajoutées dans les SOP. So maybe we need also Filippo to explain this to our colleagues from English-speaking countries to see the time we need to conserve the soil and to have this kind of discussion with them. Yes, oui, oui. Rolf, qui veut prendre la parole. Bonjour, Rolf. Rolf? Allô, bonjour. Oui, bonjour Rolf. Oui, bonjour. Ben, moi, je pense que je parle un peu pour tout ce qui est carbone, par exemple. Moi, comment je conserve les échantillons? Lorsque je reviens du terrain, je les mets généralement dans un congélateur pour limiter tous les processus de minéralisation liés aux températures très élevées, par exemple, chez nous, quoi. Parce que le fait de laisser à l'air libre, là, ça peut fausser les données sur, en tout cas pour tout ce qui est carbone et azote. Donc pour ce qui est conservation, voilà, il faut essayer de regarder ça aussi de ce côté-là. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Il faut qu'on mette en place, qu'on réfléchisse déjà au niveau de AfriLab pour voir comment on peut ajouter ces éléments-là de conservation, même de manipulation des échantillons. Et les mettre dans un OCP comme ça, au moins tous les laboratoires feront la même chose. Merci. Merci beaucoup, Rolf, pour cette remarque. Il faut aussi penser, je pense que aussi, une fois arrivé à l'étape de l'étiquetage, est-ce qu'il ne faut pas un fichier que le technicien doit noter le nombre d'échantillons qu'il a stocké, le code, etc. Je crois que ça aussi, ça manque. Oui, ça manque. On va noter. Mais le plus important, c'est déjà parce que beaucoup de laboratoires n'ont même pas de cahier de laboratoire. Donc, le plus important déjà aussi, c'est déjà d'avoir des cahiers de laboratoire où on va
enregistrer tout un peu comme un manuel qualité pour la traçabilité. Il faut tout enregistrer, la provenance, l'origine, donner un numéro, soit par pays, soit par site, mais il faut vraiment qu'on essaye de définir voilà, des procédures à ce niveau-là aussi. Moi, je pense que c'est vraiment important. Merci, Rolf. Mustapha, tu veux rajouter? Mustapha? Oui. Ah, c'est Rolf qui me fait rire, disant que certains laboratoires n'ont pas de cahier. Rolf, vous avez raison, oui. Là, c'est un truc dont il faut prendre en compte et rappeler aux gens. En fait, dans la session d'aujourd'hui, les gens, on devrait leur dire cela. Merci beaucoup du rappel. Et maintenant, eu égard à la conservation, j'ai reconnu surtout la température ambiante, n'est-ce pas, dans une salle particulièrement conçue pour cela. La conservation du sol peut aller à des années. Hein. Ça dépend de la qualité de la matière utilisée pour conserver ces sols. Dans certains laboratoires, nous avons déploré, de par l'expérience, quand j'ai visité beaucoup de laboratoires, nous avons déploré l'intervention des rongeurs qui, des fois, si c'est dans des matériaux qui attirent ces rongeurs, ils peuvent intervenir pour casser l'emballage, pensant que c'est des trucs à manger, et ils cassent l'emballage. Maintenant, ça fait perdre le sol, la qualité du sol, et ils contaminent avec leur déjection ces différents sols. Mais tout dépend des laboratoires. Certains partent jusqu'à 3 ans, plus de 10 ans, plus de 300. Certains partent jusqu'à 10 ans. Ça dépend tout simplement de la qualité de la matière qui aide à conserver. J'étais à ICRAF au niveau de Nairobi. ICRAF, nous avons vu leur manière de conserver les sols. Je pense que c'est même disponible sur les liens de FAO. Je ne sais pas si les Philippot en disposent. Il y a un lien où, après notre visite à l'ICRAF, l'image des magasins de ces sols, où il y a les sols de presque tous les pays du continent d'Afrique. Et les échantillons sont présents dans ces magasins pendant des années. Donc, tout cela dépend. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est qu'on s'assoit, qu'on discute, qu'on voit un nombre d'années moyen que l'on peut limiter, dire que bon, pour Glossolan, c'est tel nombre d'années. Sinon, certains laboratoires n'ont pas les moyens des autres. Un laboratoire peut disposer d'un moyen plus important et créer sa matière qui peut aider à conserver un sol pendant longtemps, tandis que d'autres laboratoires n'ont pas ces moyens. Donc finalement, c'est question d'entente qui va ici prévaloir, donc qu'on s'assoit en connaisseur, chacun amène son expérience et maintenant on se lance sur une donnée, dit que bon, voilà, tel nombre d'années sont suffisants. Sinon, ça peut aller à des années de période de la conservation des sols. Merci, je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Et surtout, ça se conserve à la température ambiante. Il ne faut pas l'exposer à une température soit inférieure ou bien au-delà. Merci. Merci beaucoup, Mustapha. Je crois que j'ai noté les remarques. Je vais envoyer ça à Philippot pour qu'on puisse aussi transmettre aux autres intervenants des pays anglophones la période de conservation des échantillons, le lieu. Je crois que tous ces éléments doivent être spécifiés dans les soupers. So we need to specify those information to the SOP. So thanks. Merci. Et je pense que nous avons une question d'Ibrahim et Yacoubi. S'il y a un autre mode d'homogénéisation autre que les cellules tournant. En fait, effectivement, c'est ça, c'est une très bonne question. Si on n'a pas la capacité d'avoir le... Parce que moi, ça peut être fabriqué localement hein, par les ingénieurs. Si on contacte d'autres ingénieurs, ils peuvent fabriquer. C'est juste un moteur et un rotateur qui permet. Moi, ce que je fais généralement, je mets le sol dans un sac plastique et j'essaie de mélanger comme ça. J'essaie de mélanger. Je reverse ça dans un bécher, je le remets, je mélange. Donc, c'est une autre façon aussi d'homogénéiser. Voilà. Donc, ça, c'est ma façon de faire. S'il y a d'autres façons de faire, vous pouvez communiquer. Mais bien sûr, la question, oui, il y a d'autres moyens de faire. Et ça doit être aussi écrit dans le SOP pour
pour voir quelle est l'alternative si on n'a pas accès à ce rotateur. Quelle est l'autre alternative? Comment les autres pays font pour homogénéiser? Je crois que ça aussi, ça doit être mentionné dans les soupers. Merci. Il y a une remarque dans les chats. Edouard Nia. Je pense que la conservation des échantillons dépend de l'objectif. La mise en place des Solitech collection d'échantillons de sol dépend de l'objectif poursuivi. Un échantillon analysé pour un test de routine n'a pas besoin d'être conservé comme un échantillon d'un projet de cartographie. Effectivement, oui. C'est ce qu'on disait. Tout dépend de la façon, l'objectif derrière, comment on veut. Et voilà. Donc, il a raison. C'était juste une remarque. Jean Aubin, oui. On vous écoute. Oui, à propos de l'homogénéisation, je me souviens d'une méthode que j'utilisais il y a encore quelques années de séparation en quarts. De quart en quart, on fait un tas et puis que l'on divise en quatre parties, on prend une partie et ensuite jusqu'à ce que l'on ait un tout petit échantillon que l'on peut, à partir duquel on peut faire sa pesée et qui serait représentatif de notre échantillon global. C'est aussi une manière de pouvoir conserver l'homogénéité, je pense bien. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs marqué dans le PowerPoint. Voilà. Il y a une étape où on essaie de séparer la méthode des cônes et des quarts. Oui. Exactement. Oui. Moustapha, je crois qu'il a une question aussi. Ok, merci. C'est pour revenir sur les propos d'Edouard. Edouard NYA. En fait, ce qu'il faut savoir ici, la conservation, ce n'est pas que pour conserver les sols et venir l'analyser puis partir. Ce que nous voulons dire, quand on fait une analyse particulière sur un échantillon des sols, il faut le conserver dans son laboratoire. Pas pour archiver ou pas pour un plaisir, non. Le client peut revenir pour d'autres préoccupations après des mois, des semaines. Le client peut ne pas être satisfait quelque part, il revient. On est obligé de reprendre son échantillon pour lui faire l'analyse convenable. Ça, c'est un. Et puis, des deux, pour une question d'éthique, tous les échantillons qui ont passé par un laboratoire, on ne les jette pas directement. Ce qui veut dire que, monsieur Edouard, quand vous dites que tout dépend de ce que l'on veut faire, donc cela nécessite même pas qu'on conserve. On va juste faire les analyses et on jette l'échantillon. Mais non, on a besoin pour le client, pour l'éthique professionnelle, pour beaucoup d'autres choses, il est nécessaire de conserver un sol sur lequel on a conduit des analyses. Et raison pour laquelle nous sommes en train de réfléchir sur quelle méthode adopter du moins, pour aller vers une conservation harmonisée pour le continent, peut-être au-delà pour le continent africain ou pour le monde global, peut-être. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Merci beaucoup. Check, tu ajoutes quelque chose? Non, je pense que c'est clair. Hein. C'est clair. Merci. Bien, Moussa Diallo. Je voudrais donner la parole à vous. Quelques questions? Pouvez-vous ouvrir les microphones? C'est mieux.
Oui, Moustapha, tu... Moussa, Tadi Diallo, on veut. Tu peux prendre la parole et parce que là, tu es en mode muet. Tu peux désactiver le, tu peux activer le micro, pardon. Oui, voilà. Ok, bonjour. Je disais, je m'excuse, c'était bien un problème de connexion. Et je peux encore revenir sur ma question lors des explications de Moustapha. Et il avait dit que, qu'on a besoin seulement que des sols. Pour des gens. Pendant le tamisage, il se peut qu'il y a certaines radicelles qui peuvent parler. C'est des radicelles là ou bien. T'entends pas bien, Moussa. Moussa, je crois qu'il y a un problème avec ta connexion. On n'entend pas bien. Est-ce que tu peux couper peut-être la caméra? D'accord. On va essayer de, d'alléger la bande passante. Oui, oui. Ok, bonjour. Oui, bonjour. Allô? Oui, on vous entend très bien. Merci de poser votre question, s'il vous plaît. Merci. D'accord, d'accord. Je reviens sur ma question. En ce qui concerne la préparation, après la préparation, pendant la préparation du moins, il se peut que certaines radicelles passent dans les mailles du tamis de 2 mm parce que c'est le tamis de 2 mm que nous utilisons ici pour le tamissage. Est-ce qu'il faut enlever ces radicelles qui passent dans ces mailles ou bien est-ce qu'il faut réellement les conserver et les traiter au même, c'est-à-dire au même titre que le sol pour des fins d'analyse, précisément des analyses chimiques. D'accord. Monsieur Moussa, oui. Vous m'entendez? Oui, je vous reçois très bien. Voilà. Donc, on a débattu un peu pendant votre absence, quand vous étiez un peu déconnecté. Donc, effectivement, ce que vous dites est impossible. C'est ce qu'on met dans la marge d'erreur. C'est ça, je pense, le terme bien dit. À chaque fois qu'on fait un rapport sur des analyses, on écrit marge d'erreur ou possibilité d'erreur, c'est ça? Par exemple, on cite certains facteurs qui peuvent amener, suite à des erreurs de manipulation, amener certaines imperfections. Mais je suis sûr que les petites radicelles qui passeront par mégarde à travers les mailles n'affecteront pas les analyses d'une ampleur aussi forte que ça pourra affecter les résultats. Ce que nous avons préconisé, c'est de tout faire lors de sélections, avant même de passer au tamis, de tout faire pour retirer tout ce qui est chose, élément non sol de l'échantillon. Depuis le terrain, en fait, nous préconisons aux gens d'échantillonner dans des endroits où il n'y aura pas, n'est-ce pas, intervention de ces éléments étrangers. J'ai dit, à titre d'exemple, qu'on n'échantillonne jamais en dessous d'un arbre ou à côté des plantes. On fait tout pour les éviter parce que ce que l'on veut, c'est la nature du sol à l'état naturel. Naturel, oui. Maintenant, vous faites votre tamisage, vous prenez toutes vos précautions. Si quelques récalcitrants insistent, ils passent, ils contournent votre vigilance, ils passent, vous ne pouvez rien. C'est arrivé. Maintenant, lors des analyses, les pédologues vont sûrement comprendre que les résultats qu'il a devant lui sont effectivement les résultats, mais peut-être avec quelques décalages. Et là, c'est déjà écrit l'autre rapport qui a des marges d'erreur dues à certaines manipulations, soit depuis sur le terrain ou bien au niveau du laboratoire. Vraiment, il ne faut pas vous paniquer. Les petits éléments qui peuvent glisser par mégarde ne causent pas du tout de problème. On ne peut pas... Nul n'est parfait, en fait. Nul n'est parfait. Vous avez fait votre mieux pour homogénéiser, faire tout de votre sol, le préparer. Bon, les erreurs qui interviennent là, on ne peut rien contre. N'est-ce pas? Mais on inscrit quand même l'ordre du rapport que marge d'erreur. D'accord? D'accord, merci beaucoup. Ok, merci, monsieur Moussa.
OK, merci beaucoup. Bien, merci beaucoup à tous. Et je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Parce que s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que nous pouvons arrêter la session. Mais si vous voulez partager d'autres questions, vous tenez ici là, un expert comme Moustapha. Moustapha, vous pouvez écrire votre courrier, une adresse de courrier dans le chat. Et donc, si pour les participants qui veulent les contacter. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Merci beaucoup. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que nous pouvons arrêter la session. Et je vous remercie beaucoup de votre participation et je voudrais remercier particulièrement les orateurs d'aujourd'hui, et Moustapha et Souguet. Et l'enregistrement vidéo sera téléchargé sur le site web de website de Glossolan. Et dès que possible, et la prochaine semaine, je pense. Et je vous invite à vous inscrire à la prochaine session de formation de Glossolan en français, et qui portera sur les contrôles internes de la qualité, et aura lieu le 15 de décembre. Et nous avons une autre question du collègue de Belgique, Moustapha. La question est, quand l'échantillon n'est plus utilisé, quel traitement comme déchet? OK. Quand l'échantillon n'est plus utilisé, comment s'en débarrasser, n'est-ce pas? OK. C'est ça la question? Voilà. Au cas où on n'a plus besoin d'un échantillon, c'est de s'en débarrasser. Donc, il y a des laboratoires qui disposent des fosses où ils se débarrassent de leur échantillon. Mais avant de s'en débarrasser, soyez rassurés que le sol est débarrassé de tout élément plastique pour le retourner dans la fosse. Et maintenant, tout ce qui est élément plastique qui n'est pas biodégradable n'est pas contaminer le sol avec, c'est d'aller vers l'incinérateur. Parce que c'est l'incinérateur qui permet la destruction totale des éléments qui fait en sorte que le sol n'est pas du tout contaminé pour contribuer, n'est-ce pas, à la protection de l'environnement. Oui, oui. Donc, chaque laboratoire doit disposer, n'est-ce pas, soit un égout, une fosse, un truc où la matière sol, en tout cas, est rejeté, et la matière plastique qui n'est pas du tout biodégradable est allée et canalisée vers l'incinérateur. J'espère que... Donc, vous ne préconisez pas un autoclavage de sol, alors, à ce moment-là? Utiliser l'autoclave pour stériliser le sol, au cas où. Ah, bon, la stérilisation, là, vous savez... Je ne dirais pas cela à tout laboratoire parce qu'ils n'ont pas les moyens, les mêmes moyens. Là, ça dépend du moyen. Votre laboratoire en Belgique peut-être dispose du moyen de stériliser ce sol, il n'y a pas de problème. En fait, voilà, nous, en fait, le laboratoire est divisé en deux laboratoires, enfin, en deux parties. On a le laboratoire où il y a les sols dits européens et les autres sols. Parce qu'en fait, on a un organisme qui... Il y a un organisme qui nous a contrôlés et qui dit, voilà, si vous voulez prendre des échantillons hors Union européenne, il faut qu'ils passent dans une zone de quarantaine. Donc,
on a cette partie-là où le sol, à la fin des analyses, va être autoclavé, donc stérilisé. Et ça, c'est une demande que l'organisme veut qu'on fasse. Et puis, voilà, moi, j'avais l'autre partie européenne. Et voilà, on trouve aussi des sols. Et je voulais savoir un peu si ces sols-là, on pouvait le remettre dans un compost ou un truc comme ça. Ou alors, il fallait absolument qu'il soit traité aussi. Donc, si à votre niveau, vous disposez d'un système de transformation de ce sol en des fertilisants, mais compost, c'est bien. Moi, je trouve l'idée très bonne. Mais à ce que je sache, dans les pays européens, vous disposez d'un système aussi d'hygiène et assainissement qui peuvent s'occuper de cela. Et voilà. Généralement, ils donnent des conseils par rapport à comment traiter les déchets. Mais là, pour les laboratoires qui ne reçoivent pas des échantillons de l'extérieur, aller vers une méthode beaucoup plus locale, c'est mieux. Tout ce qu'on va leur préconiser, n'est-ce pas, c'est devrait faire en sorte que d'éviter la pollution de l'environnement. Parce que récemment, lors des tests que Glossoland a organisés, nous avons reçu des sols des pays européens. Voilà. Après avoir travaillé sur ces sols, nous les avons mis de côté, même que nous avons des attestations de ce que vous dites là, stérilisation de ces sols. On les a mis de côté. Actuellement, ils sont là présents. Donc, il nous faut, une fois le moment passé, nous allons nous organiser pour voir comment faire avec les sols qui ne sont pas de chez nous. Donc, on n'a pas assez de moyens comme les laboratoires des pays européens qui nous permettront de comprendre réellement ce sol, comprendre quoi et quoi après les analyses. Donc, la meilleure solution... Voilà, la meilleure solution, ce serait d'aller vers ce que vous dites, le compostage. Vraiment, c'est très bien. Je trouve l'idée très bonne. Ça va beaucoup aider. Mais tout faire pour éviter la pollution de l'environnement. Il faut éviter l'environnement. Voilà. Merci beaucoup. Merci de votre contribution. Si je voudrais ajouter que nous allons également travailler sur ce sujet avec les collègues du groupe de travail de Glossoland sur la sécurité et l'hygiène. L'idée est de préparer un document pour l'élimination non seulement des réactifs utilisés, mais aussi de l'échantillon de sol. Parce que dans de nombreux cas, il s'agit de réglementations nationales ou locales. Nous souhaitons présenter quelques lignes de directrices da parte di Glossolano su questo sujet. On y va a travaillare su la disposa, sull'eliminazione delle échantillons nel prossimo mois. E Moussa, tu tieni la main e vorrei parlare? No, c'è bon. Ah, ok. Tienes otra cuestión? Bien, donc je remercie une autre fois Moussafa, Sheikh et tous les participants pour l'activité. Questions et pour votre participation à ces sessions. Et une autre fois, la présentation d'aujourd'hui est déjà disponible sur la page web de Glossoland. Et l'enregistrement vidéo sera téléchargé la prochaine semaine. Et je vous invite à vous inscrire à la prochaine session de formation sur le contrôle de qualité interne, le 15 décembre, qui sera en français.
Et voilà. Et merci beaucoup à tous. Et non sais si Mustapha voudrait donner quelques paroles pour conclure la session, pour fermer la session. Si tu... Ok. Voilà. Merci Filippo. Donc, sur ces mots, s'achève la session d'aujourd'hui sur ce que nous avons évoqué, c'est-à-dire la préparation des sols pour les analyses physiques et chimiques dans le laboratoire. Tous ceux qui ont participé, je sais que vous avez des connaissances déjà là-dessus. On a juste fait des échanges instructifs et vraiment très enrichissants. Je tiens lieu ici d'apporter tous mes mots de remerciement à ceux qui ont posé des questions, à ceux qui ont contribué et même à ceux qui ont voulu parler, mais dû à la connexion de l'Internet, ça n'a pas été possible. Sûrement, les discussions vont continuer à travers les emails, parce que là, je viens de partager mon adresse électronique et même si vous la canalisez vers Filippo, votre question ou votre contribution, ça parviendra sûrement à nous et ça va atterrir dans le réseau de Glossolan. Merci infiniment pour votre patience et votre attention que vous avez accordée à cette session et j'espère qu'on se verra à la prochaine séance de formation que Hartmann voudra bien nous donner, c'est le 10, n'est-ce pas? Et donc sur ce, je vous dis au revoir et bien des choses à tous. Soyons unis, soyons une famille, c'est la science qui nous unit les analystes au laboratoire. Donc soyons unis ensemble pour faire en sorte qu'on évolue, qu'on grandisse davantage. Que vive Glossoland. Merci à tous. À bientôt. À bientôt, au revoir, merci beaucoup. À la...